Hey, salut toi, c'est Deck. Et bienvenue sur ce let's play secondaire sur Nowhere Super Mario Bros. Death. Qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est une sorte de... pas de ROM hack, mais c'est un remake de Super Mario Bros. DS, qui est un jeu que toutes les personnes de mon âge ont eu, normalement. Hein. Si vous avez mon âge, vous avez forcément joué à ce jeu. Ça fait un peu nostalgie, j'avais envie d'y jouer. Quand j'ai vu le trailer, surtout qu'il est sorti en 2017, attends, c'est un jeu récent, bizarre. Ah, la princesse est à nouveau fait kidnapper, hein. Bowser Junior encore? Sûrement. Sûrement, bah oui, c'est lui, on le voit très bien que c'est lui. Ah, je sais pas pourquoi. La logique, on va pas la chercher. Et voilà, ouais. Un thème de... C'est un thème de forêt automnale. Et c'est... Ouh, trop bien, je peux choisir... Je vais prendre Luigi. Ça fait vraiment penser à Mario 3D World. 3D Land. Oui, Land. Yep là. Alors. Oh attends. Ah ah. Ils ont mis la différence. Luigi saute plus haut et il a une sorte d'animation bizarre quand il descend. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc c'est à dire que les deux personnages ont une différence. C'est cool. Je crois que les pièces ont changé, hein. C'était pas comme ça avant. Hein. Ah les tortues non plus. Je pense qu'en fait ils ont changé beaucoup de l'aspect graphique. Pour qu'en fait ça soit plus joli. Parce que c'est vrai que les graphismes de ce Mario Bros étaient pas fous. Ouais. J'ai vu un tuyau vert, il paraissait suspect. Oula. Ouh. Énorme. Yep. Alors je sais pas qu'est-ce que je ferais pour définir si c'est un personnage ou l'autre qui joue. Peut-être que j'alternerai d'un épisode à un autre. Yep là. Book. J'aime bien le fait de pouvoir changer comme ça. Petit champi pour moi. Merci. Viens là toi. Book. Ouais ok, c'est juste des pièces. Ah oui, mais il glisse bien fort. Oh, des blocs de 3. Il n'y avait pas de... Qu'est-ce que c'est que ce symbole sur le drapeau? C'est une... Je sais pas ce que c'est. Il devrait faire des symboles plus distinctifs. Papa! Hop là. Des pièces, ça! Bloc, bloc. Ah, les blocs, ils réapparaissent pas. Ah, je peux rentrer dedans, d'accord. Give me l'argent. J'aime bien quand Luigi tombe. Alors celui-là est sûrement accessible aussi, mais... Quand Luigi tombe, c'est trop marrant comment il bouge ses pieds. Oui. Wow. Mourir dans le niveau 1. GG moi. Énorme GG à moi. C'est parti. Yep là. Give me la fleur de feu. Ah du coup je l'ai plus. Hop, hop. Non. Par contre les Luigi sautent vraiment haut. Pratique. C'est dur de changer de sens en fait, parce que du coup Luigi a beaucoup d'inertie. Ça se voit peut-être pas forcément en regardant la vidéo, mais en tout cas quand je joue je le sens. Bah, attends, je vais changer de personnage histoire juste pour tester. Je sens vraiment que lorsque j'essaie de le faire retourner, il met vraiment beaucoup de temps à s'arrêter pour repartir même en l'air.
Ouais, Mario est beaucoup plus standard. Ouais, par contre, il saute vraiment moins haut. Ah, d'accord, ouais. Ok, le truc ressort tout de suite, je m'attendais pas à ça. Hop, hop. Ouais. Viens, attends. L'un de ces tuyaux est sûrement dans lequel je peux rentrer. Ouais, voilà. Souvent dans les sortes de ROM hack. Oh. Argent! Il y a beaucoup de musiques qui ont changé aussi, c'est les sortes de remix. C'est pas mal foutu. Ah ah! Et là, il y a quoi? Rien du tout. Ouais, ouais, je vois Mario, j'arrive beaucoup plus à le faire changer de direction dans les airs. You! Mais, oh! J'ai appuyé sur la flèche du haut. Je joue à la manette et donc comme c'est à la manette j'imagine que c'est avec le stick avec un stick analogique c'est plus compliqué. Oh, give me ça. Bah ah j'ai eu la troisième. Dommage. Wouh. Je vais repartir avec Luigi. Chopwood Cavern. Mm-hmm. Oui, donc effectivement c'est en anglais, hein. Il n'y a pas de rom en français. Un panneau sur une plateforme. Alors, d'après le trailer, il y a des nouveaux pouvoirs. Oh, c'était une pièce Yoshi, ça. Wow. Wow. Viens, toi. Même pas besoin de la plateforme. Luigi pèse dans le game. Je peux nager. Il a pas besoin de la plateforme non plus. Qui a besoin de plateforme, sérieusement? Ah, faut que je vérifie plus les tuyaux. Ça me paraît suspect. T'as rien là-haut? Ah ah! Je me disais bien. Ça paraissait mettre juste un bloc tout seul en haut. Ça sonnait très. Y a quelque chose ici, allez voir. Dans le jeu original, ces machins-là, on les voit que dans le monde 4, hein, si je me souviens bien. J'ai tellement joué au premier. C'était quand j'étais plus petit, à l'époque où j'étais un fan inconditionnel de Mario. Alors que maintenant, c'est plus de... je suis plus sûr du Mega Man ou... Ah bah, Fleur de Feu, cool. Mm-hmm. Ça sent la pièce étoile. Pièce Yoshi. Ouais. Je mettrai dans la description de la vidéo le lien vers comment prendre la ROM. Si vous avez envie d'y jouer pour vous de votre côté. Et si vous avez un moyen d'y jouer sur votre... si vous avez un moyen de patcher la ROM pour y jouer sur une console, genre une DS ou autre. Ouh. Et toi, patch. J'avais sur ma 3DS, parce que j'ai craqué ma 3DS, donc j'avais sur ma 3DS de quoi jouer à... Y'a rien là? Ok. De quoi jouer à des jeux de DS. Mais finalement je l'ai plus parce que j'avais besoin de place sur ma console pour installer un jeu. Du coup, je pouvais plus garder le logiciel. Hop. Hop. Alors je sais pas du tout à quoi servent les pièces Yoshi. J'imagine que ça me donne de la vie ou autre. Si c'est comme dans je crois que dans Mario World, quand on ramassait les 5 pièces Yoshi, on recevait une vie supplémentaire. Bam. Ah, cette musique, je la connais. Ah, je sais quoi faire. Allez. J'aurais totalement pu faire ce saut-là sans...
sans rebondir sur les tortues. Le bruit des pas était pas synchro avec l'animation de marche. Désolé. Il y avait un passage secret? Ah merde! Ouais, c'était juste pour une maison Todd, ça va. Bah, c'est pas grave. Tout va bien. Snailcorn Grove. Intéressant. Ah, les fameux blocs rouges. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Oh. Ok, une vie, pourquoi pas. Ça, on n'en voyait que dans le monde 5. Aïe! Il faut leur rebondir dessus pour... C'est... pas facile. À tous les coups, il va y avoir un objet là-dedans. Yep. Ah, ok. Donc oui, je peux faire ça. Hop là. Vite. Ah. C'est un vrai challenge de manipuler Luigi. C'est cool. Ça fait un petit peu de... plus de fans. Allez, Snailcorn Grove. C'est parti. Monde 1, quand même. Monde 1, je fonçais à travers le monde 1 quand j'étais sur le jeu normal. Ah. C'est passé. Voilà, bon, ça suffira. Alors je sais pas, peut-être que sur cette version ils ont mis des nouvelles fonctionnalités au... Ils ont mis des nouvelles fonctionnalités aux pièces rouges, enfin aux pièces étoiles. J'ai même pas vu ce qui s'est passé, je suis tombé du truc comme ça d'un seul coup sans même faire gaffe. Faut vraiment que je fasse gaffe quand je joue. Vas-y. Ring? Allez. Alors en fait, même en faisant des tout petits sauts avec Luigi, tu sautes quand même plutôt... Allez, salut. Non mais laisse-moi passer quand même. Voilà, merci. C'est sûrement juste pour une vie. Yeah. C'est moi qui meurs là assez régulièrement. Je ne suis pas digne d'être un pro-gamer de Mario Bros. Ouais, t'es pas du tout difficile à choper celle-là. Ok. Moitié du niveau, je pense que c'est bon. Encore une fleur. C'est vrai qu'il y a un score, je viens d'y penser, ça augmente juste le score. Alors, je sais pas si vous, ça vous intéressait quand vous y jouiez. Mais moi, en tout cas, je m'en battais les couilles du score. Je sais même pas trop à quoi ça servait. C'est... Je supporte pas ces petits trucs-là. C'est quoi? Casse-toi. Voilà, hein. Oula. Voilà. Elle bouge. J'avais pas remarqué, mais elle bouge. Ok. Ok. Référence à Cirpello, pour ceux qui connaissent. Give me la fleur. Hop là. You. Chaud. Jean. J'ai la musique assez fort dans les oreilles, donc je sais pas du tout si pour vous c'est trop fort ou pas. Waouh, il est énorme lui. Ah non, j'ai réussi à le pousser. Voilà. Et ça ne m'a rien donné du tout. Je suis très content. Oui, il va terminer.
Ah. Mm-hmm. Alors, la tour, qu'est-ce que ça donne? Rope Blast Tower. Mm-hmm. Attends, vu que les tours, faut monter. Ah oui. Voilà, oui, c'est comme ça qu'on tombe. C'est un peu de la triche en fait d'avoir toujours une fleur sur soi. Boum. La musique était pas comme ça aussi. Comme il saute tellement haut avec les cordes. Boing. 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 Alors. Ah, ok, bon, des canons. On dirait une feuille d'érable hein, sur les drapeaux. Hein. Enfin, personnellement, j'ai l'impression que c'est une feuille d'érable. Sérieusement, le petit... Ah, je vois pas que c'était prévu. Je pense que j'ai abusé du fait que Luigi saute très haut pour pouvoir ramener ce truc. Tac, il me faut ça. Ouais, même pas besoin de rebondir sur le machin, génial. Bon bah, c'est quoi? Hop là! Troisième pièce, j'imagine. Ok, Luigi, merci, on a compris que tu sautes haut, mais pas besoin d'en faire des tonnes non plus. Hop là! Les cordes, ça sert à rien. Ok. Allons-y. Voilà. Wouh! Intense! Alors, à quoi ressemble le château de fin du monde? J'ai l'impression que la forme du monde, ça ressemble beaucoup à la forme du monde dans le jeu original, mais juste avec des textures différentes. Oui. Progress saved. C'est parti. Je pense que je vais faire tout le monde. Hein, le monde entier, comme ça, voilà, c'est pas monde 1. Une vidéo par monde? Ouais, pourquoi pas. Alors... Ah, cette musique-là, je la connais. Ah ah! Voilà, j'en pipe pas. Hop là! Oh, la pièce! Là, je fonce à travers le niveau. Wow. Ok, bon, pas trop non plus. Voilà, bon, il fallait que je fasse une boulette. Hein. Merci. J'ai l'impression que l'animation que Luigi utilise quand il tombe, c'est la même animation que lorsque on est mini Mario ou mini Luigi. Bah, en fait, je m'en fous. Casse-toi. Ok, c'est une fleur, j'en fous. Ouais, Luigi saute. Oh, de toute façon, je m'en fous. Hop là. You. Yeah. Bon, bah tiens, je te rends ça. Hein. Est-ce que je peux le lancer? Ouais. Qu'est-ce que Yoshi? Pourquoi il était juste là? Mais genre, c'est trop facile à choper. Hop. Et voilà.
Ah, à tous les coups, à tous les coups. Est-ce que ce serait dans ce niveau-là qu'il y aurait un passage secret ou ce serait dans celui-ci? Une bonne question. Go. Je sais pas si je vais faire tous les niveaux, peut-être. Unsteady Gorge. Mm-hmm. Voilà ce que ça donne. Wow. Ah, ok, les champignons. Je crois qu'ils étaient apparus dans un niveau... Hop. De l'argent. Donnez-moi la money. Yeah. Ouf. Yep là. Yep là. Yep. Ce tuyau-là, il faut absolument aller dedans. Tu mets un tuyau juste en plein milieu de l'écran, en haut. Forcément, un truc, faut aller. Ok. On monte, on descend. Ah, j'ai raté une pièce. Dommage, pièce. On ne t'oubliera pas, pièce. Si, on t'oubliera totalement. Yeah. Non, j'ai pas pu rendre celle-là. Non. Est-ce que c'est des murs solides? Voilà. Mais, Luigi, pourquoi? Genre, au moment où j'arrive dans la petite pente sur le bord du champignon, Luigi gagne de la vitesse et du coup, bah, en l'air, j'arrive plus à repartir dans l'autre sens. Donc, je me suis fait avoir. Ouais, bon, pourquoi pas. Ah, et du coup, ouais, j'ai plus aucune pièce. Ouais, bon, je vous ai déjà eu une fois, vous. Youhou! Allez, c'est reparti. Hop, et là, cette fois, je n'oublie aucune pièce. Voilà. Sauf vous. Et j'en ai eu une sur les quatre. Ça ne sert à rien. Bon, alors, on va faire attention. Ah. Ah voilà, ok, donc ça ne servait absolument à rien. Ouais, vous voyez, là. Dès que je dépasse le champion, hop, d'un coup, il a pris de la vitesse. Et ça, ça m'a complètement foutu en l'air. Du coup, j'ai pas pu ajuster ma trajectoire. Yeah. Ouh, attends, c'est une tortue bleue. Tortue bleue, normalement, si. Quand on sautait dessus. Voilà, on pouvait prendre la... Ok, non. Donc en fait, non, normalement, en fait, dans... pour ceux qui ont joué au mode bataille, on pouvait prendre la carapace bleue une fois qu'on avait qu'on l'avait tuée. Juste là, elle était juste posée par terre, et quand on la prenait, on obtenait le pouvoir de carapace bleue. Désolé toi, hein. Pardon. Hop là, fleur, ouais, vas-y, passe. C'est plus de points. Mais... Oh, j'aurais passé au-dessus comme ça. C'est dur à manier. Mais le jeu est bien. Personnellement, je trouve que le jeu est bien. Go. Viens là, toi. Hop là. Ah. Pièce étoile. Il y a une pièce étoile là. En dessous d'un champignon bleu. Donc faudrait que faut que je me rappelle. Intéressant, je sais pas comment j'aurais découvert sans ça en fait. Toi meurs, merci. Toi, boomerang, tu passes. Voilà. Je sais pas comment j'aurais su qu'il y avait une pièce bleue en fait. Juste alors que je la retrouve. C'est par là? Ouais. Je sais pas du tout comment j'aurais fait pour savoir qu'elle était là. Hein. You! Je n'ai rien à foutre de toi. Ah, ok, d'accord. Et...
Ouais bon là c'était Oula, c'était dur ça par contre à la fin. Attendez, comment je fais pour choper ça? Faut que je fasse un saut mural. Ouh. Allez, donne-moi ça. Ouh. Et nouveau niveau dans la boîte. Allons-y, niveau terminé. Give me le monde. Leafpile Castle. Ok, c'est reparti. Enfin, reparti, c'est parti quoi. Voilà. Ces trucs là, ouais, je peux pas les tuer avec les boules de feu, ça je m'en souviens. Carapace rouge. Ah, stop. Reviens carapace rouge, j'ai besoin de toi. Alors là, la plateforme qui bouge, ça m'a totalement foutu en l'air. Donc j'ai besoin de... besoin d'elle pour ça. J'ai pas trop de temps pour ça. Alors, le son m'a l'air très fort pour moi, je sais pas pour vous. Hein. Bah tiens. Là, qu'est-ce que tu dis maintenant hein? Qu'est-ce que tu vas faire? Bah! Mais pourquoi? La vitesse, c'est impossible de s'arrêter comme ça. On reprend. Enfin, jeu, parce que toi tu fais rien. Toi, t'es juste en train de regarder. Allez, go. J'aime bien la petite mélodie. Ah, attendez. Oh. Bah. Ça fait une plus. Ah, j'ai les trois. Je chope les pièces de tous les niveaux là. Je suis inarrêtable. Tais-toi. Y'a quoi là-dessus? Souvent les machins sur lesquels il y a des frères marteaux, il y a des choses cachées dedans. Non, même pas? D'accord. Faut vraiment que j'arrive à doser les déplacements de Luigi, parce que ça... Ah, y'a un chrono! Énorme! Ça m'a rajouté 100 secondes? Ok. Par contre, si je dois me battre contre un boss, j'ai aucun pouvoir là. Ah, Bowser. Classique. Oh, la musique! C'est celle du monstre qui creuse dans Mario Galaxy 2. Viens, attends. Oh, mais... La toute petite pointe au bout de sa queue, sérieusement. Bon. Ah, il me faut encore la dernière pièce étoile. Ça, le monde touche à sa fin. Enfin, je touche à la fin du monde, plutôt. Yow! Maintenant je sais quoi faire. Oh. La voix qui part en couille. Cette musique me fait... Ah, vraiment, j'ai l'impression qu'elle sonne vraiment comme une musique de Demon Crest. Demon Crest qui est un let's play que j'ai abandonné d'ailleurs. Parce que... en fait, le let's play, c'est un de mes amis qui me l'avait demandé, qui m'avait dit que je devais faire un dessus. Mais en fait, j'avais aussi joué de mon côté et ça m'avait saoulé en fait. Parce que j'avais déjà joué au jeu, moi, une grande partie de mon côté. Et si je fais un let's play en sachant déjà ce qui m'attend, c'est pas incroyable, quoi. Voilà. Alors ici, il y a rien. À part ces petits
machin. Ouh, passé. Faudrait que je garde de la vie. Yeah. Voilà. Je vais réajuster mon casque. Allez. Ramène-toi. Attends, j'ai une idée. Parce que d'habitude, faut passer en dessous de lui quand il saute. Mais est-ce que si je fais ça? Yeah. Luigi saute trop. Yeah. Monde 1 terminé. Qu'est-ce que c'est le monde 2? C'est le progress? Oui. Pourquoi c'est écrit en gris? Crystal Sewers et Goldleaf Plains. Ah, j'ai tout, il me manque juste... Oh, il me manque juste quelques pièces étoiles là. Mais genre si je fais ça... Ah, c'est pas mal! Parce que dans le jeu original, il fallait toucher en fait l'endroit où on voulait aller. Mais du coup, comme ce jeu-là, c'est un patch sur une ROM, et bah du coup, c'est logique que ce soit pas facile de parce que les émulateurs, faut cliquer vraiment dessus. Faut prendre la souris et cliquer sur le machin. Alors que là, du coup, non, si t'appuies sur Select, ils te mettent un truc. Alors, qu'est-ce que t'as pour moi, papy Chanky? Ouais, ça, je m'en doutais. Merci. Ça fait toujours plaisir. Donc, le niveau où j'ai pas eu... la pièce étoile, c'est... Bah c'est là. Ok, bah c'est ici. Et d'accord. Non. Je vais dépenser ça. Oui. Bam. Il sort juste de sauvegarder. Et c'est... sauvegarder. Et voilà, j'espère que tu auras aimé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à mettre un like, à commenter. Ou même, tout ce que tu veux. Et la petite cloche, si t'as envie d'être notifié. Quand la prochaine vidéo sortira, vu que je ne préviens jamais et que je les sors dès que j'ai envie. Donc, voilà. Autant que tu sois prévenu. Allez, ciao !